Et je garde des applaudissements pour Daniel Morin. Collègues aux physiques contestables, cher public aux physiques impeccables, bonjour. Ouais. Quel démagogue. Mais ça marche. Ça marche. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Oh Lord. Eh oui, les amis, aujourd'hui, c'est la journée internationale de la paix. Alors, en cette période de tension, j'aimerais qu'on joue le jeu et qu'on fasse la paix entre nous. J'aimerais que, comme à l'église, le public ici présent se serre la main en signe de paix. Allez-y, allez-y serrez allez-y. La main. Des magots et mégalos. Oui, allez-y. Ils le font, hein, il faut alors, préciser, ils le font. On se serre la main ou plus si affinité. Hein. Embrassez-vous si vous voulez, c'est pour la paix, ce n'est pas ça. Et ils non, le font, monsieur, oui. Le monsieur au premier rang qui enlève son pantalon, calmez-vous, on célèbre la paix. On n'est pas là pour une partouze, on n'est pas chez les socialistes. Hein. Oui, qu'y a-t-il de plus beau que la paix? Qu'est-ce qui rassemble plus que la paix? Qu'est-ce qui rend plus heureux que la paix? Oui, Sonny Chan? La contrefaçon Chanel? Non, mais non. Sonny, par pitié, on arrête avec ça, s'il te plaît. Ne fais pas ta... Fais pas ta chinoise, pas aujourd'hui, en tout cas. Non. Oui, absolument. Non, c'est la paix qui procure cette sensation de bonheur universel. Oui, oui, pardon, Frédéric Lopez? Le vrai bonheur, c'est des grosses audiences pour rendez-vous interconnu. Non, non, stop. Là, on va pas y arriver, les gars, si on fait tous notre petit truc perso. Là, je parle d'un truc à l'échelle humaine, humanitaire, qui concerne des milliards d'hommes et de femmes. Oui, Fred? Des milliards de gens, ça ferait une bonne audience. Vous commencez à m'emmerder, là, Lopez. Vous commencez à m'emmerder avec votre émission de hippie où vous partez crapahuter chez les sauvages. Il n'y a même pas l'eau courante et le wifi. On va se calmer. Bon, en tout cas, là, ça y est, vous m'avez tous gonflé. Moi, je voulais célébrer la paix et la joie, mais devant votre égoïsme, je lâche l'affaire. Puis, en même temps, c'est vrai que la paix, c'est un concept à la con, quand on y réfléchit un peu. C'est bon pour les Miss France, les chanteuses québécoises et autres pintades. Et puis arrêtez de vous bécoter dans le public, c'est obscène. Vous allez rentrer chez vous avec une maladie honteuse, comme ça m'arrive tous les ans quand je passe Noël chez l'Ornac. Oh, ça va, écoute, donc. Bon, allez, hop, la paix, rien à foutre. Allez, on s'en fout, car aujourd'hui, il y a plus important que la paix dans le monde et plus grave. Aujourd'hui, 21 septembre, c'est la journée internationale d'Alzheimer. Bien sûr, c'est une journée destinée à lutter contre la maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas une campagne de promotion pour la maladie d'Alzheimer, qu'on soit bien clair. Du coup, par solidarité pour tous nos auditeurs atteints par la maladie d'Alzheimer, je vais faire un effort particulier dans... Bonjour, bonjour et bienvenue à vous qui êtes atteint par Alzheimer. On pense bien à vous. Voilà qui est fait. Un peu plus tard, je reprendrai cette participation à la journée spéciale Alzheimer. Catherine Fraud, bonjour. Jean, il vient d'arriver. Mais non, mais je m'intéresse à Catherine. Bonjour et bienvenue. Catherine, je n'irai pas par quatre chemins. Vous me plaisez. Oui, je sais, c'est un peu brutal comme révélation. Vous êtes sûrement un peu déboussolé. Vous vous dites, waouh, j'adore cette émission. Mais je comprends votre étonnement entremêlé d'enthousiasme et probablement de désir. Ah, excusez-moi, Catherine, je vous demande deux petites secondes. Bonjour et bienvenue à vous qui êtes atteint par la maladie d'Alzheimer. On pense bien à vous. Je demande pardon. Oui, Catherine, j'aime votre nature discrète qui contraste avec les filles que je fréquente d'habitude, qui ont souvent l'élégance et la classe de shampouineuses en vacances à Pétasland et qui dansent à poil en hurlant le soir venu sur leur table de camping, style Paris Hilton, Nadine Morano ou Sonny Chan. Ah, Catherine, votre allure aussi soignée que chic et élégante, votre petit regard plissé est à l'instant bloqué, qui laisse entrevoir toutefois la malice qui vous habite. Bonjour et bienvenue à vous qui êtes atteint par la maladie d'Alzheimer. On pense bien à vous. Catherine, aujourd'hui, c'est le début de l'automne et j'ai envie de nature et de découverte avec vous. Oui, toi et moi, Cathy, main dans la main sur les chemins tapissés des feuilles qui viennent mourir sous nos pas comme un tapis rouge vers le bonheur. On ira à la cueillette aux champignons hallucinogènes, ma catoche. Et après, on courra nu dans les bois en faisant bien gaffe que ces cons de chasseurs ne nous prennent pas pour un sanglier et une biche. Tu aimes l'automne, au moins, Catherine? Oui, tu as l'air d'aimer l'automne. Eh bien, tant mieux, moi aussi. Oui, moi, le printemps, ça me va mal comme saison. J'ai des allergies, j'ai le nez qui coule tout le temps, je ressemble à une otarie. L'hiver, c'est pas mieux. Le froid m'attaque la peau, je deviens tout rouge, j'ai le crâne qui fume, on dirait un pédophile perdu à Disneyland. Et l'été, c'est pire. J'ai un problème de glande sudoripare. Je transpire comme Sarkozy. Du coup, je sens très fort. On dirait que je promène un putois mort. Non. L'automne me va mieux, Catherine. Bonjour. Et bienvenue à vous qui êtes atteint par la maladie d'Alzheimer.
on pense bien à vous. Bon, voilà, Catherine, je crois que j'étais assez clair. Tu me plais, alors ne sois pas timide. Vas-y, tente ta chance. Daniel Morin.